Et salut à tous, c'est Dudu, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du coup des aventures sur Infamous Second Son. On s'était laissé juste devant cette mission, donc y a pas de raison, attendez, je vois que mon micro est pas forcément bien calé. Si, ça a l'air d'aller, on verra. On verra. Donc ouais, on s'était laissé juste devant cette mission, j'avais été obligé d'aller péter un relais DUP pour la lancer, finalement on était à presque une heure, donc j'avais dit qu'on reprendrait ici. Et donc, on va reprendre ici. Au centre de sciences du Pacifique aujourd'hui, où un inconnu a escaladé la célèbre Space Needle de Seattle pour attacher un énorme drapeau à sa flèche. Bien que le symbole ornant cette bannière et l'identité de l'homme au drapeau reste mystérieux, c'est tout? Seattle compte désormais un... L'homme au drapeau! C'est pourri, hein. Ouais, mais je dois faire quoi du coup? C'est bien mignon, je viens de lancer une mission et... Ils m'ont rien dit. What the fuck? Excusez-moi! Bonjour. A commencé son terrible massacre. Pour US TV News, c'était Charles Sander. Nelson, excuse-moi, j'étais occupé. Mais j'ai des infos sur ce taré de bioterroriste. Oui, j'ai entendu. Et on pourrait éviter d'utiliser le mot en B. Quoi? Bioterror... Ah, tu sais bien que c'est juste une insulte inventée par le DUP pour que les gens aient peur des porteurs. Écoute, tu l'appelles comme tu veux, mais on va le retrouver. Et il va nous dire gentiment tout ce qu'il sait sur Augustine. Et on drainera ses pouvoirs. Ouais, ça va. Et on drainera ses pouvoirs. Je te dis que ça va le faire. Ok, ils ont trouvé un corps à l'angle de la 5e et Briard. Va te renseigner, mais promets de ne pas te faire remarquer. Ouais. Ok, bah go. Ouais, donc en fait, je pense que tout simplement, il fallait que je finisse de regarder la télé pour que ça... Ce sont des officiers de police sur la scène du crime. Pigé, pas le DUP. Bon, je suis avec toi, mais tu es des flics. Ok, ok, je règle la machine sur immobilisé. Veuillez reculer, s'il vous plaît. C'est une scène de crime. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette zone. Tu sais que tu peux venir me parler en face, sinon. Ok, j'ai bien compris. On va essayer de faire ça autrement, histoire de pas foutre la merde. Parce que si j'y vais en mode bourrin, je suis à peu près sûr que ça va foutre la merde. Ah! Ouais, d'accord, je vois où c'est. Je vois, hop. Putain, je crois que là! J'ai tout fait sauf dans la discrétion en fait. Hop là. On est là. Voilà. Là on est dans la zone de recherche a priori. Bon, j'ai fait comme t'as dit. J'ai pas touché à tes potes en bleu. Merci. Je vois pas l'utilité d'avoir des pouvoirs de vue. Donc j'ai trouvé la victime. Ah, c'est bien l'œuvre d'un porteur. Ça se la pète, hein. Bon. Faut que tu prennes des photos de la scène de crime et que tu me les envoies. Tout ce qui pourrait nous servir. Attends. Ah non. Ok. Voilà tes blessures. T'as c'est... Demande quel pouvoir a fait ça. Boule de feu, laser... Oh, le regard qui crame la peau. Alors là, j'adorerais absorber le pouvoir du regard qui crame la peau. Même si le gars qui a fait ça est bien un porteur zéro, on sait pas encore si cette histoire de transfert de pouvoir va marcher. Mmh. Si ça marche, ma toute première victime sera celui qui a eu l'idée de m'appeler l'homme au drapeau. Delsin, arrête de te prendre la tête avec ça. Je prends quoi en photo? Ça encore? Ah oui, d'accord. Je sais pas. Ok, je t'envoie la photo, mais je crois qu'il a fermé les yeux. Reg, j'entends les sirènes là. Ouais, je vais vérifier. Bon, le DUP vient de boucler le périmètre. J'ai dit à la police de Seattle de pas s'en mêler. C'est forcément le porteur. Je vais aller voir. Se rendre sur la nouvelle scène de crime et pister le porteur dangereux. Nouvelle scène de crime, là-bas? Ok. Faut pas que le DUP me voit parce qu'ils sont juste là en haut-dessus. J'ai l'impression.
C'est chiant parce que ça marche quand même. Ça reste pas bien droit quand même cette histoire. Il y a des chances pour que l'endroit soit infesté de soldats du DUP. Sans doute avec l'ordre de tirer à vue. Ah ouais, j'aime beaucoup tes raisons. Il y a des DUP dans tous les coins. Ils veulent vraiment mettre la main sur ce type. C'est leur grand, rien. Ouais. La victime n'avait sans doute pas de casier. Vu la gueule du Lascar, je m'attendais au moins à du trafic de drogue. Merde. En fait, on peut se la jouer presque infiltration, j'ai l'impression, dis donc. Parce que là, si j'avais fait maîtriser, je pense que... Esquive ! Il va me faire mal. Oh le bâtard! Qu'est-ce qui branle? Bon, tu viens? Putain, l'enfoiré! Tu fais chier là! Le mec il se fait des plateformes! Il se la joue comme ça! Je voulais me le faire en fait. Bon. Vous allez arrêter de jouer au con là parce que. Oh merde, mais à chaque fois putain! Je me cours. J'oublie que j'ai ça aussi. Voilà. Ça va, t'amuses bien toi? Je te dérange pas? Voilà, ça c'est fait. Bon, en dessous j'ai l'impression qu'il y a du monde. Ouais, ok, ils sont là. J'arrive! J'arrive! Non, c'est choper le porteur! Bonne chance avec ça. Je suis mort? Ah non! J'ai eu peur. Ah, ça va pas tarder par contre si je continue comme ça. De la fumée! Hop là! De la fumée. Ça recharge la barre et les deux missiles, ça c'est top quand même. Donc il est où? Il est là. Putain, il m'a pas vu le bâtard. Je crois que je me suis bloqué. On va l'arrêter. Là. Oh oh oh! Ce branlé qui m'a mis. Il est où? Bon, je sais pas. Deux fragments. Examiner la scène de crime. Bon, il faut reconnaître que ce porteur a du style. Du genre... post-dégueu. Ok, il faut que tu... Laissez-moi deviner. Visage et blessure. Si c'est pas trop demandé. Pardon. J'étais déjà parti. Et c'est parti, je t'envoie les blessures. Inutile, j'ai son identité. C'est un dealer, il a un casier long comme le bras. Fous ses affaires, on saura peut-être pourquoi le sniper l'a choisi. Quoi? Trouver la cache. Attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y a un truc à récupérer. Sur un toit là, sûrement. C'est où? Là, hop. Là. Je. Putain, le truc bleu qui brille, c'est pas censé se récupérer. Voilà. Putain. Ah, il faut le péter. Hop. Voilà, en fait, les fragments sont indiqués sur la map. Ok. C'est à noter. Alors. Du coup. Faut que je fouille quoi en fait? Je n'ai pas compris. Là non, bon. Ah mais là peut-être? Non? Non? Putain, ok, c'était écrit. Autant pour moi. Bordel de... Bordel de
Putain, mais quoi? Delsin, ça va? Ouais. Attendez, m'en parlez pas. Je viens. Sois prudent. Très bon conseil. C'est bon, je suis comme vous. Enfin, je suis pareil. Je veux son pouvoir à lui, par contre. Il est ouf, son pouvoir. Hé, minute! Je vais pas te faire de mal! Surtout si je te rattrape pas. Vu comme ça, c'est plutôt clair. Oh, enculé, mais... Monsieur va plutôt vite. Hop, reviens! Ça fait plaisir. Tu l'as eu? Non, il a filé. Vite, genre super méga vite. Flash porteur. Ouais. Rien à foutre du regard qui crame. C'est ça que je veux. L'envie est un péché. Eh, y'a un truc marrant, mec. Avant chacun de ses tirs, le gros néon derrière lui faiblissait un peu. C'est sans doute la source de son pouvoir. Retourne au néon et dis-moi ce que tu trouves. Oh putain. Moi je continue à le suivre avec un peu d'espoir. Attendez. Ce qu'il peut faire. Pareil que des lasers. Ce serait de la balle d'avoir le pouvoir qui calme en deux plus la fumée quand je serai devant Augustine. Bon, je vais péter ça. Faut d'abord qu'on le retrouve. Voilà. Là, du coup, il y a un petit fragment. Et je me casse. Hop, si, on va ouvrir ça. Et je me casse. Normalement, j'ai fait de mal à personne. Ah bon, on se déplace. Ok, qui me tire dessus là? Ah, c'est top ça! Pour se déplacer, c'est bien pratique. Voilà, c'est pareil, je vois un truc, mais. Et merde! Putain, mais quel gros con de merde! Je vise comme un pied, on est d'accord? Je crois qu'on est d'accord. Puis en plus, il m'esquive bien. Bon, bref, allez. Toi, je t'ai fait peur, j'ai l'impression. Ce serait pas mal quand même. Hop là. Petite truc pour courir plus vite. Attendez, parce que là, je vois plein de fragments. Donc... on prend de notre là, on prend là et hop là, 8 fragments, donc on va voir ça parce que là il y a moyen d'améliorer peut-être. Il y avait truc ça, tirer en pleine tête assommant. 7 fragments, beaucoup trop cher. Guérison par conduit, par contre, voilà. De toute façon. Et vapeur corrosive, voilà, on va prendre ça. Je crois que, de toute façon. Guérison karmique requiert un karma. Oui, bon, ok. Charge de soumission. Sprinter en direction d'un ennemi qui se rend et ou qui tousse et appuyer rapidement sur son pour le maîtriser et gagner du karma bénéfique. On va faire ça. Comme ça, voilà. Plus de fragments. Go! Bon, ben go. Hop là. On repart là où on était tout à l'heure. Putain. Voilà, c'est ça que j'aime pas là. Quand on sort d'un rebord. Des fois, il arrive pas à passer de l'autre côté. Il reste en bug. En bug, j'ai envie de dire. Ah non, on va se mettre... Ok, j'y suis. Et tu peux me dire ce que je cherche exactement? Juste tout ce qui peut nous aider à découvrir qui est. Alors, en fait, à première vue, je dirais que notre tireur serait plutôt une bonne tireuse. Attends, quoi? Tu devrais voir ça, Reg. C'est le plus joli petit nid sniper qu'on ait jamais vu. Et qu'est-ce que t'entends par là? Je sais pas, c'est juste trop meuf. Des babioles de meufs partout... Le nom Brent est écrit tout joli sur le mur. Et ça sent même super bon. C'est carrément le repère d'assassin le mieux parfumé au monde. Ok, bon, écoute, tu vas juste m'envoyer des photos de tout ce qui pourrait nous aider.
Je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait nous aider ça, peut-être? Ah oui, d'accord. En fait, je viens de calculer qu'il y a une barre qui nous précise ce qui pourrait nous aider. Hop. Genre le pieu, ça peut nous aider. Avec le livre. Sérieusement? Un tueur en série qui lit Jane Eyre maintenant? Ouais! Jane Eyre, c'est un l'attrape-cœur pour les filles. Les bottes! Ok, je comprends pourquoi tu les prends pour des chaussures de femmes. Non mais en plus, elles sont en taille nabo. Ok, donc ça, il y a de très grandes chances que ça appartienne à une femme. Ouais. C'est dingue. Alors, tu trouves d'autres trucs intéressants? C'est bon, je cherche. Ouais, ça doit faire partie des trucs intéressants. Ah, c'est pas mal ça. C'était fait là. Intéressant, c'est sûr. Tu sais, il y a peu de chance, mais en croisant ça dans la base de données avec le nom Brent, on aura peut-être une piste. Peut-être. Alors, qu'est-ce que je fais là, du coup? Tu sais, avec la fumée et les lasers, on pourra économiser un paquet de thunes sur les décos de Noël. Ouais, c'est ça, faire bon usage de ses pouvoirs. J'aime bien, ils ont peint. Tu sais, Reg, moi je parlais juste des soutifs. Bon, stop. Ok, sérieusement, maintenant, stop. Tu sais, je pense que quand je serai en face d'Augustine, je commence le show par la fumée, et bim! Dès qu'elle est sonnée, boum boum! J'envoie les lasers. C'est cool d'avoir un plan. Un plan de ouf en plus, faut dire. Hé, hey, j'ai un nom pour la photo. Il s'appelle Brent Walker. Arrêté il y a 2 ans pour possession, rien de méchant. Écoute ça. Retrouvé mort 2 mois après dans une ruelle. Cause de la mort, une blessure incisive traversante d'origine inconnue sur le torse. Je t'envoie l'adresse de la ruelle. Ouais, on dirait que notre copine a une dent contre les dealers. Ouais. On dirait bien, ouais. Oh, c'est quand même bizarre. Si elle tue des dealers, pourquoi est-ce que les infos veulent faire croire qu'elle choisit ses victimes au hasard? Comme si elle allait tuer n'importe qui. Oui, et alors? Bah, j'aurais cru que le DUP voudrait faire savoir que le meurtrier frappe pas au hasard. Si t'es pas un dealer, t'es pas en danger. Ça devrait plutôt faire baisser le niveau de panique, non? T'es en train de dire quoi? Que le DUP veut effrayer les gens? Leur boulot est de réguler la panique. Oui, t'es mignon. T'es pas naïf du tout, toi. Ah là 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 là. Le DUP, c'est les méchants. Et puis, c'est tout. J'arrive pas à savoir s'il a pas l'air de m'avoir grillé, donc bon. Ça va. J'arrive à la ruelle, mais il y a un sacré paquet de gorilles armés. On dirait une rencontre entre dealers. Je déteste te la jouer bon flic, mais le devoir de tout citoyen est de s'interposer quand il est témoin d'un acte criminel. Ah, tu vois bien que tu veux que je tue des gens avec mes pouvoirs, finalement. J'ai jamais dit tuer. Tu les fais danser, tu leur fais un peu peur, et tu détruis leur stock. C'est bien parce que je me tape le DUP en même temps. Ça le stock. Voilà. Je me suis fait le stock. J'ai entendu des tirs. C'est toi qui les as tués? Je voulais juste faire mon devoir de citoyen, mais ils étaient déterminés à faire leur devoir de criminel. Oh putain de merde. Bon du coup, ah oui, non mais... J'ai pas fini apparemment là. Faut faire quoi? Et allez vous faire foutre vous, si vous êtes... Vous voulez pas, genre, tous vous rapprocher, que je vous fasse une petit bombardement dans la tronche? Aïe! Bon allez, hop. Bombarder la gueule et puis c'est tout. En fait, on peut diriger le... On peut diriger la chute après, j'ai vu. Plus ou moins, mais... Voilà. Plus ou moins parce que ça... Putain, et... Alors, qu'est-ce que... Merde, le portail devant la ruelle est fermé. Ça ne t'avait pas empêché d'entrer dans la conserverie? Bah oui. Reg, tu devrais te revoir ça.
Speedy Gonzalette est une graffeuse et elle fait des trucs pas dégueux. Ouais, bon, n'oublie pas qu'elle tue des gens, ok? Et elle leur fait des trucs bien dégueulasses. C'est pas faux. Faut jamais laisser des bougies allumées sans surveillance. Elle a installé un joli petit hôtel. J'en viendrais même à dire que c'est touchant. Bah, touchant? Des fois, tu touches les clôtures électriques. Je dois admettre que cette meuf fait un méchant vortex. Je continue à apprécier quand même le... Et c'est le grand moment les qualités techniques du jeu. Ok, elle est sérieusement ravagée. Ok, donc la meuf remonte des plateaux repas, elle s'installe en face de Brent le Néon et elle lui raconte sa petite journée. Ouais, ça doit être ça. En faisant la dinette. Tu sais, Olaf a une boutique sur la rue Alaska. Il paraît qu'il a la plus grosse enseigne en néon de toute la ville. Eh, hey, si j'avais des pouvoirs de néon et une maman gâteau, c'est là que je crècherais. C'est parti. Allez, go. Attends, mais c'est parti où, remarque? D'accord, la mission est finie, en fait. Et bon, on va enchaîner direct sur la suivante, si on peut, du moins. Si on nous oblige pas à péter un truc DUP ou je sais pas quoi. Alors attendez. Là par exemple, on voit qu'il y a un truc annexe. On va monter, voir. Mais là, c'est quoi ça par exemple? Un agent du DUP s'est mêlé à la foule, utiliser sa photo pour le trouver et l'éliminer. On s'en fout, hein. J'aurais tendance à dire qu'on s'en fout. Petit jardin pour enfants. C'est mignon tout plein. Ouais. Je suis d'accord. T'as des droits. Allez, t'as le droit de sortir. C'est mignon. Je me casse. Enculé. Hop là. Ciao. Putain, mais c'est fou, ça. Ah, mais merde. Je l'ai eu. Voilà. Du coup là on arrive là. Je sais pas, il est indiqué sur la map, mais j'ai aucune idée de pourquoi. Attendez, c'est pas là. attendez. C'est pas là? C'est en haut ou quoi? Attends, on va voir, on va essayer de monter. Yes. Ok. Hey monsieur, signez la pétition pour lutter contre la drogue. Si on n'arrête pas ce poison, nos jeunes finiront comme Fetch Walker. Fetch Walker? Les drogues ont contaminé son corps. Elles l'ont changé en bioterroriste. Nous voulons débarrasser la ville des répugnantes saletés dans ce genre. Saleté, hein? Hé, hey, vous vous battez avec nous ou contre nous? Je ne me bats point. J'ai le nom de ce magazine, là. Tu sais, avec... Que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre, là. Radical! Waouh, je suis vraiment impressionné par ton calme. Mais tu devrais plutôt patienter près du néon, d'accord? Ce serait beaucoup plus discret. En plus, elle va certainement revenir pour recharger ses batteries. Bon, alors là, je comprends pas de quoi il parle. Il y aura moins de gens à qui j'ai envie de défoncer la tête. Oui, aussi. Ah oui, c'était la Bible, en fait. Tu sais, la citation. La Bible, au cas où tu te poses la question. C'était pas le cas. Ok, on va se cacher. Ok, je dois trouver une planque. Là, ça doit être la quelle crèche. Allez. Qu'est-ce qu'il dit? Drainer la fumée. Ouais, mais là, ça me servait à rien, j'étais au max. Ça me servait à rien, j'étais au max.
trouver une planque. Non? Je sais pas moi. Se cacher et attendre. C'est bien ça qu'il dit. Hop. Là, je peux pas me cacher. Là, je peux pas me cacher. Oula, oula, ça a fait un truc bizarre ici. Puis là, en plus, il y a le DUP. Alors, ce que je peux faire, par contre. Voilà. Oh putain, il y a un gros. La branlée qui m'a mis. Je crois qu'ils m'ont repéré du coup. Ah, j'aurais pu me cacher là peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas, je comprends pas. Parce que là, on est d'accord que je suis tout sauf caché. Là, non. Ou alors c'est en bas? Non, là, a priori, je suis au bon niveau, en fait. Ils ont l'air teubés. Ils me trouvent pas. Ils ont l'air teubés. Mais apparemment c'est là. Qui me tire dessus, putain. Oh putain, d'accord, ok. Se cacher, ok. Ça va le faire. La surveillance, mais en mode clodo. Waouh, ça sent bon. Pourquoi j'ai pas piqué de fric à ces dealers? Argent, pourquoi tu me hais? Sois mon ami, Argent. Viens par là, avec moi. Non, tout va bien. Capturé. Comme l'éclair. Ah, pas encore ce truc. Comme la dernière fois, Delphine, concentre-toi. Ah non, tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant. Ok, donc là, il faut maintenir rond. C'est juste top, ça. Ah, attendez, hop, je vous libère. C'est énorme ça. Eh, tu cours sur les murs? Alors là, c'est trop fort. T'es parti où? Allez mon gros, bouge ton boule. Quoi? Mais oui, mais... Ok. Ça va, elle m'attend. Elle est mignonne. En plus, ça a l'air infini cette histoire. Ouais, techniquement, ça claque. Hein. Ils l'ont bien mérité. Faut lâcher de temps en temps parce que sinon. Quoi? Je peux en utiliser qu'un à la fois? Mais c'est pas juste. Elle est passée où? Elle est par là-bas. Bon, par contre, beaucoup trop longue cette séquence, hein. Sans intérêt. Oh merde, elle galope. Ça, pour galoper, elle galope. Allez! Elle fait des détours de merde, mais elle galope. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé. T'es où?
je pense que... Eh oh, salope! Je pense qu'on pourra... Wow! Je pense qu'on pourra améliorer la durée de la course, parce que là, c'est vraiment beaucoup trop court, en fait. Ah, elle va trop vite! C'est super beau de nuit, hein. Hallucinant. Non, non, non! Bordel, eh, faut vraiment que tu te calmes, compris? T'inquiète pas. Je retournerai pas juste... là-bas! Laisse-moi tranquille! Oula, 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 on se calme, hein. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va manquer de jus. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai peur du noir. Putain, lâche-moi! C'était trop bon! Et... pète les couilles, hein. Tu me pètes les couilles. Voilà, je me cache. Peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer. Comme ça, on épargnera les enseignes de bière. Je tournerai pas. Je sais pas viser. Eh oh! Connasse! Putain, mais je vais tout me taper là? C'est quoi le délire? Écoute-moi, putain, je suis pas avec Augustine! T'es un putain de robot! Combien de fois je. Attends, je veux juste un peu de tes pouvoirs, c'est tout! Mais fous-moi la paix! Et toi, fous-moi la paix! Oh, ta race, tu me gonfles! Oh putain. Et les pouvoirs, je sais que vous êtes là. Surprenez-moi. Ouais, celui-là aussi, je vais m'en servir. Je peux courir, mais pas te planquer. Bordel, mais t'es où? T'es là. J'y retournerai pas. Oh, tu me gonfles, t'es relou les combats là. Fou. Je suppose que c'est sa barre de vie qu'on voit. Elle est vachement futée. Oh là 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 là. Ça peut être très long, hein, cette histoire. Putain, fait super mal. C'est pas qu'elle fait super mal, c'est qu'elle se laisse pas approcher, donc. Je suis obligé de le faire. Oh là là là. Je suis obligé de le faire au tir. Et au tir, bah putain. Je t'entends respirer. Ah merde, c'est moi. Non, il n'y a pas de missile. Ça, il faut la vaincre, hein. C'est écrit. Je viens de voir que c'était vraiment l'objectif. Au cas où j'aurais eu un doute. Ouh, je suis trop incaïde. J'ai l'impression que je l'ai pas touché en fait encore.
que j'ai l'impression qu'il est pas touché en fait. Voilà, et puis quand elle fait ça, je peux rien faire. Hein. En fait, je peux pas m'approcher d'elle pour lui foutre des taquets. Donc c'est un peu relou. Ah, je lui ai foutu un. C'est chiant que je puisse pas changer de pouvoir là. Parce qu'il y en a que je maîtrise. Ah, je crois que j'ai foutu un autre coup. C'est toi, arrête! T'es où? Arrête de bouger! Ah putain de ta mère! Ta gueule! Touché! Bon, faut y aller calme en fait. Calme, calme. Et c'est. Là, elle a disparu. Elle doit être par là. Non? Ah merde, je croyais. Ah, elle est là. Elle me touche, je la touche. Ah. Voilà. Ne fais pas ton truc là. C'est que je veux pas te tuer hein. Si t'arrêtais, on aurait déjà fini. Ah mais putain. Non, non, non. Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait, que je deviendrais l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancé. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi, et ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Mais mon frère, Brent, a pris nos manteaux, et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue, de bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers, et on est tombé dedans. La dope, c'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque, c'était l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volée, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs. Le gouvernement m'a chopé en vitesse après ça. Mais c'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer, à tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. Tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure. Tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère. Plus personne. Bah, elle est gentille. Monsieur. Elle est gentille. Delsin, ça va, frangin? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as assuré, mon grand. Allez, debout. Bien joué. Hey, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vermine dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non, 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 non. Es-tu juste des dealers, c'est tout? C'est tout? Delsin, elle assassine des dealers. Et tu crois que je fais quoi au type du DUP? Ce qu'ils font pour sauver les nôtres, les Akomiches! Non, écoute, fous-lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pas donc problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Hé, je t'abandonnerai jamais, t'entends? Jamais.
Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh hey ben oui. Je suis gentil, je sais pas. Je serai sous ma responsabilité. Ouais, sauf que t'as jamais été du genre responsable jusqu'à maintenant. Fais-moi confiance. Ok. Je suis là pour la tribu, pas pour coffrer des bioterroristes. Je suis une porteuse. Il est cool, enfin, d'habitude, c'est juste que... c'est pas son jour. Ouais. Allons discuter. Comme d'hab, je me tais pendant les cinématiques. Alors ça en est combien là ? 42 minutes. Reggie, désolé. Ah, regardez qui voilà. Faire la réunion du club des porteurs est enfin terminée. Je voulais juste lui parler, ok ? Histoire de voir si elle pouvait nous être utile. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein ? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Est-ce que t'oublies qui d'autre est comme ça ? C'est pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut ? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Et moi, Guy, les bons tuyaux pour trouver les relais de noyau. Ah ok, bon. Là, t'as envoyé. On va faire ça. Pour la tribu et pour toi. Merci, je te dis si j'ai un truc. Je serais bien aller tuer les dealers, sinon... Au revoir, Reggie la grimace. Autant avancer, mais Hey, Fetch, ouais. T'as vu ces boîtes lumineuses que le DUP a plantées partout en ville ? Ouais, je les ai vues. Je crois qu'ils s'en servent pour me traquer. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un moyen de m'en servir. Genre, les exploiter pour renforcer mes pouvoirs. J'allais le tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. Je t'ai filé ? Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer les ficelles. Oh, j'ai déjà atteint ma limite de gros dealer pourri pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas ? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à l'angle de la seconde et de Main. Ouais, je l'avais repéré. On s'y revoit. Pratique. Voilà, vous faites chier direct, là. Bon, ça fait chier parce qu'on peut pas... On ne peut pas changer de pouvoir pour le moment. Ou alors, je n'ai pas compris comment on faisait. Ok. Donc ça c'est cool parce que pareil c'est illimité hein, le fait de se déplacer de cette façon. Par contre j'aime moins, enfin c'est chiant parce que je trouve cool le fait de pouvoir courir comme ça sur les murs et tout. Mais des fois quand on tombe sur une bouche j'aimerais pouvoir y aller directement. Putain, qu'est-ce que je dois faire là? Traîner la fumée. Quoi? J'ai plus de fumée? Mais ça sert à quoi d'avoir des nouveaux pouvoirs si je dois rendre les précédents? Ah, je suis déçu là. Ça va, ils m'ont pas vu. Ah, sympa! Je sais pas si vous avez capté, mais là je montais, du coup il y avait. Avec la pluie. Attendez, pourquoi c'était rouge là? C'est quoi qui est rouge? Ah, c'est ça? Ah, mais putain. Voilà. Hé, hey, Fetch, c'est par ici? Bah, je bouge pas. Les traqueurs de porteurs, c'est pas pour moi. Ouais? Attends de voir ça. Ok. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ce sera sans moi, Dalcy. Tant pis, hein, je prends tout pour moi. S'il s'est passé quelque chose, je l'ai loupé. Eh, vous auriez pas vu une fille petite, cheveux violets? Pas de pitié, je tire pour tuer. Oh, je l'ai immobilisé. Ah ouais, d'accord. Eh, j'ai entendu des tirs. Je t'ai dit que ces trucs allaient te traquer. Non, je crois que c'était juste une patrouille. Je viens d'en trouver un autre. Je
t'ai laissé des marques pour le trouver. J'avais pas capté. Il y a un marqueur lumineux. Ouais, c'est bon. T'as qu'à les suivre. J'avais pas capté que le premier, du coup, je l'ai tué. C'est pas grave. What the fuck, ça. D'accord, faut que je suive ça. Bah merde. Traîner le néon, tac. Fetch, je viens de tomber sur quelques-unes de tes œuvres. Tu devrais peut-être calmer le jeune, hein. Tu dois nourrir la bête, mec. Ou bien tu nourris pas la bête. Elle crève de faim et toi tu deviens quelqu'un de fréquentable, comme moi. Ou bien tu te la mets bien profond. Voilà. T'as bien raison. Ok. On va prendre ça. Tac. Tu me gonfles, toi. Tu le sens bien que tu me gonfles ? Là. On continue. En fait, ouais. Ouais, prends ça, saloperie de fumier toxico. C'est tout ce que tu mérites. Hé, hey, fumette, tu veux venir avec moi ? Ouais, ouais, je suis venu avec toi, pas de soucis. Donc, même pouvoir... Putain, mais... Tape dans le truc, quoi. Voilà. Ok. Non, mais j'ai même pas capté, là. J'étais dans les vapes. T'as besoin de mon aide ? Appuyez sur L1 pour enfermer les ennemis dans une bulle de laser. Voilà. Ok, pas mal. Ils me font super mal ces enfoirés là. Voilà, je pense que c'est bon là. Et... Putain, mais. En enfoiré! C'est bon? Il est mort? Il a l'air mort. Il me faut du néon. I need du néon. Merci. Ok, je crois que j'en tiens. Contente-toi de suivre les marqueurs. Au fait, ça t'a fait quoi de tuer tous ces dealers? C'est le trip ultime. Tu sais, on devrait peut-être pas trop la ramener avec les dealers. Tu me la joues sensible, Delcine? Eh, on a des pouvoirs et pas eux. Ça veut dire que c'est à nous de faire des efforts. Lâche-leur le grab de temps en temps. On en reparlera. Ouais, ouais, si tu veux. Va donc récupérer de nouveaux pouvoirs. Voilà, là, j'aurais bien aimé pouvoir prendre la bouche. Bon, après, c'est c'est le concept du truc, au moment où on a un pouvoir à la fois, mais je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis quasiment sûr. Que après on va avoir... on pourra utiliser les pouvoirs à volonté. Restera. C'est bon, je t'ai eu ? Ouais. Je t'ai eu. Ah, mais descends ! Hop là, je commence à avoir quelques fragments là, c'est cool. Ouais, on suit les marques, on suit les marques. Ah, là il y a du brouilleur sévère là. Il y a du brouilleur sévère. Bon, on va aller, on va continuer à suivre. On va libérer eux là. Voilà. Oh, je crois qu'on m'a repéré au passage. Vous êtes où? Vous êtes où? Que je vous défonce la gueule. Voilà. 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 Non mais...
Lâchez-moi. Là, ça me nerve un peu. Ça, il y a un truc qui DUP là. Ah ouais, ok. En fait, au bout d'un moment, si je le trouve pas, les marques, ils me font me le mettre sur le radar. Oh, vous me gonflez là, les mecs. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Me gonfler sévère. Je suis Miro, je crois que je suis Miro. J'ai envie d'aller les défoncer, ils me gonflent. Et le truc c'est que mes pouvoirs sont quand même moins efficaces. Prédiction refusée, raté. Bon. Continue par là normalement. C'est ouf, je les vois pas. Ah, là. Ok. Après, c'est là-bas. Là-bas. Une petite forêt là. C'est foufou un peu ici. Merci. Et voilà. Allez, vas-y. Fais-toi bien ce que... Voilà. Je m'en fous, je prends branlé à chaque fois que je fais ça, mais bon. Vu que la vie remonte relativement vite quand même, ça va. Voilà. On est à combien là? On finit ça? On finit les relais là, et puis on arrêtera la vidéo. Ça va bientôt faire une heure déjà. Toi d'abord. Je comprends pas. Maintenez R1 enfoncé. Voilà. Je me retrouve en fait avec les mêmes pouvoirs. Ok, il est temps de suivre la piste. Je me retrouve avec les mêmes pouvoirs que... Putain, encore un noyau. Qu'avec les missiles, quoi. Qu'avec le feu, je veux dire. Ou bah fumée. Par là-bas. J'espérais que ça soit pas au coin du DUP, bah j'avais pas envie de me le faire de suite. Voilà. Par là-bas peut-être. Ouais. Par là-bas par contre. On va prendre du néon. Ça me recharge mes trucs phosphores. Fetch, j'ai vu que t'avais laissé la vie sauve à quelques dealers. Je peux pas m'empêcher de croire que j'y suis pour quelque chose. Ouais, tous les beaux gosses pourris d'égo se prennent pour la cause de tout ce qui se passe dans le monde. Non, je me prends pas pour le centre du monde, juste qu'il y a un petit changement d'attitude, c'est tout. C'est bien, c'est bien. Allez hop, on continue par là. On continue après, on va par là. On se trace pour pas que les autres ils nous captent. Ils n'ont pas l'air de m'avoir capté a priori. Bon. Il y a du monde là? Ouais, bon, il y a du monde. Je vois pas la trace d'après. Je vois pas la trace d'après. Du coup, je vois même plus la trace actuelle. C'est assez pourri là! Ça me gonfle! Trace, c'est pas là? C'est par là, a priori. Ouais, c'est par là. Alors j'aimerais bien qu'on vous me fassiez pas chier, en fait. Hop, on va monter par là. En espérant que personne ne m'ait vu. A priori, personne ne m'a vu. On continue par là. On continue par là. Ok, donc là c'est relou. Par exemple. Par exemple, là, c'est relou. Merde, je croyais l'avoir vu. Ok, là-bas. Bah, je préfère pouvoir flotter dans l'air en fait que repartir sur le sol directement. Putain, mais en plus je suis sûr qu'elle me fait faire des sales détours. Là il y a deux trucs DUP.
Bon, à mon avis, ça va être en haut. Oh, c'était Just. Non, c'est pas en haut. Putain, fuck. Pourquoi il m'a fait monter jusque là si c'est pas ici, quoi. On voit loin, hein, là, par exemple, le truc de néon de tout à l'heure, on le voit bien. Mais bon, j'ai froid. Non, ah, c'est là. Hop. Ah. Alors, qu'est-ce que je vais apprendre? Le mec, il me regarde. Oh! Je dirais que c'est le super méga pouvoir. Non? Alors, voyons voir. Super méga pouvoir. C'est ça. Ah ouais, là, mange ta next-gen, quand même. Putain, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai entendu d'ici. Tu sais, à chaque fois que t'as eu envie de traîner à cause de ces trucs... J'ai réfléchi un peu à ce que tu m'avais dit, sur les dealers de drogue dans la rue. Ah ouais? Je vais te dire un truc. S'occuper de ces salopards de dealers, c'est pas grand-chose. Mais il faudrait remonter un tout petit peu plus loin, trouver le fournisseur. Ça ferait du bruit. Bah, j'aimerais bien t'accompagner la prochaine fois que tu pars en chasse. J'ai envie de faire un peu de bruit. Je me trouve beaucoup trop calme. Ouais, ce sera un rencard mortel. Je t'appellerai si quelque chose se présente. Bon, ben mission accomplie. Très bien. Du coup, je dois avoir... Quand même, on va faire ça. Fragment, hop. Alors par contre... Ben, on va reprendre le drainage rapide pour eux. C'est quoi ça? Appuyez sur X en vitesse lumière pour vous propulser dans les airs. D'accord. Y a quoi d'autre? Rayon néon. Pour lancer une attaque néon, longue portée. Ok. Ah oui, c'est des améliorations ça. Bulle prolongée. Augmente la durée des bulles de stase, ok. Permet de ralentir temporairement le temps en zoomant. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Voilà, vous voyez, on a quand même encore l'arbre de fumée, donc quelque part ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser sûrement. Hop, bah vous voyez, il y a sur la map bleu et rouge. Donc sûrement des choix à faire. Enfin, c'est pas sûrement, c'est ça, c'est des choix à faire. Donc on enchaînera, prochaine vidéo, on fera ça. On ira peut-être faire un petit DUP aussi, histoire de libérer un peu la ville. Pour le moment, on va monter tout en haut. Hop là. Putain. Ah, c'est... Ouais, non, c'est pas très très grand, mais bon. Ça se laisse visiter. Bon, ben sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, hein. Voilà, merci à tous d'avoir suivi celle-là, puis à très vite. Ciao tout le monde.